Bonjour et bienvenue à Chasseurs d'emploi. Cette émission a pour objectif d'aider des personnes à trouver du travail en tant que salariés ou créateurs d'activités. Ceci en lien avec le monde de l'entreprise, le secteur associatif et les acteurs de l'emploi. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Gabriel Desca, directeur des services de l'UPE 13, Emmanuelle Jolivet, dirigeante du cabinet Emmanuel, Olivier Boulle, coach sportif et masseur kinésithérapeute. Sans plus attendre, nous allons commencer cette émission avec le portrait de Bertrand, qui cherche du travail comme directeur commercial. New York, you're safer, and you're wasting my time. Je m'appelle Bertrand Marcorel, j'ai 45 ans. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille, plutôt dans les entreprises PME. J'ai travaillé en France et à l'étranger, notamment en Angleterre. Je recherche un travail dans une société qui conçoit ou développe un produit. Si éventuellement le produit, c'est qu'un plus, et j'ai un petit fait pour le monde de l'agroalimentaire. J'ai été commercial en Angleterre, et puis après, j'ai travaillé dans la logistique. J'ai aimé le contact avec les clients, j'ai aimé le côté chasseur perpétuel parce que les clients, ça disparaît naturellement pour tout un tas de raisons, il faut en trouver de nouveaux. J'ai aimé l'aspect entretien des clients. En général, dans notre société, une des premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc quand on a un travail, on a une représentation sociale, on a un rôle social. Quand on n'est pas dans ce cas-là, il faut l'assumer. Nous allons maintenant voir un reportage sur le parcours de Bertrand, puis nous reviendrons sur le plateau pour parler d'une thématique soulevée par lui, à savoir l'accompagnement. Nous allons rejoindre maintenant Bertrand, les chasseurs d'emploi et le collectif qui sont réunis à l'association CV Street. Pour mettre donc en avant le fait que tu es bilingue, le fait que tu as managé pas mal de monde, une trentaine de personnes, que tu as augmenté le chiffre d'affaires, que tu as augmenté le portefeuille client, que tu as fait des recherches de financement. Ça, je pense que c'est les points qu'il faut que tu mettes en exergue dans le bloc de compétences. Il y a peut-être sur deux pages, moi je trouve ça bien. Après, il y a peut-être des choses quand même que tu peux essayer de réduire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes et très détaillé. La formation, c'est bien. Les langues informatiques, l'anglais, on disait que tu pourrais peut-être rajouter technique et commercial, enfin courant, entre parenthèses, technique et commercial. Et les centres d'intérêt, moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que par contre, ça permet d'avoir une idée de la personnalité, de ce que tu aimes dans la vie. Donc voilà, et ça peut permettre d'avoir des points communs avec le recruteur. Donc voilà. Bertrand a un projet clair, précis et une bonne expérience dans son secteur. Il a envie d'évoluer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se lance dans un nouveau challenge. L'ambiance CV Street m'a beaucoup plu, dès le début. Le fait que chacun doit trouver lui-même son travail prend tout son sens dans l'appellation chasseur d'emploi. C'est vrai que, quand on y regarde de plus près, ce qu'on demande aux chasseurs d'emploi, c'est de trouver un client, une entreprise, de se présenter, de se vendre, de conclure, de décrocher un emploi. Le travail d'un commercial, c'est similaire à la chasse à l'emploi. Au sein du collectif, chacun peut apporter ses compétences et devenir solidaire avec autrui dans sa recherche d'emploi. Pour cela, les compétences commerciales de Bertrand sont un atout pour les autres chasseurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une feuille Excel et j'ai fait un petit pavé où je mettais en haut tout un tas d'informations sur quant à la date de parution de l'annonce, le type de société qui postulait, savoir si cette société-là c'était un cabinet de recrutement ou pas un cabinet de recrutement, et puis des informations pour pouvoir les contacter. Ça va pas bouger. C'est en fait un suivi des actions que je vais faire avec des dates pour se rappeler qu'on a appelé tel jour telle personne, voilà ce qui a été dit pendant la discussion, je le note, ou un rendez-vous, et à voir si on peut, derrière, une action à faire. Si les capacités de Bertrand à vendre sont un atout, il a d'autres compétences transverses à mettre en avant pour booster le développement d'une entreprise. Il a profité de la présence en atelier de Sylvain Parodi, dirigeant d'Urban Service, pour demander conseil. Vous allez avoir votre réseau, d'accord ? Vous allez avoir vos amis, entre guillemets, c'est votre réseau professionnel existant, vos anciens collègues, vos anciens salariés, vos anciens clients. Ces gens-là connaissent du monde et ont aussi leur propre réseau. Donc finalement, en croisant les réseaux, vous allez forcément trouver un contact qui vous intéresse et vous allez demander à votre premier contact les coordonnées du deuxième contact qui vous intéresse. La recommandation, ça marche toujours. Ça va être délicat de contacter directement cette personne-là que vous ne connaissez pas. Là, vous allez gagner déjà en crédibilité parce que c'est quelqu'un qui connaît la personne que vous voulez rencontrer, qui vous met en relation. Donc ça, en termes de crédibilité, c'est intéressant. Vous allez avoir des informations
que d'autres n'auront pas en tant que demandeur d'emploi classique, parce que l'information doit circuler, et plus l'information circule, et plus vous aurez des remontées d'informations vers vous, avec des contacts, avec une mise en relation qui peut être faite plus ou moins rapidement. Deux semaines viennent de passer. Pour Bertrand, l'expérience est positive. Mais pour les membres du collectif, ils savent qu'il doit encore progresser. La fin du parcours va être cruciale pour Bertrand. Ça redonne confiance, parce qu'on se remet dans une dynamique. Alors certes, on a passé les premières semaines à faire tous nos outils dont on va avoir besoin. On n'était pas trop dans l'action, mais le simple fait de le faire, ça nous a permis de se projeter, enfin moi en tout cas. C'est agréable de ne pas être seul, quoi. C'est la grosse difficulté en fait, de la recherche d'emploi, enfin de la chasse. L'équipe de Zoa est intervenue pour déceler le point faible de Bertrand et lui permettre de se dépasser afin de parvenir à son objectif. Pour notre chasseur d'emploi, cet exercice va se révéler salvateur. Quand je regarde ton parcours, ce que je vois en gros là, sur ton CV, c'est que des mots qui me ramènent à la dimension commerciale. Je pense qu'il faut que tu sois au clair sur ton projet. Soit tu veux être commercial, soit tu veux t'impliquer, je dirais, dans la dimension produit, ou en tout cas dans la dimension construire le projet ou le produit qui va amener à la satisfaction client. Mais il faut faire un choix. Le commerce, c'est la concrétisation, c'est celui qui tape dans la balle. Mais avant de marquer un but, il y a une équipe derrière. Tu parles de sens produit, et j'ai envie de te renvoyer à ton propre sens à toi. Je t'invite donc à réfléchir, aux affiches, à te mettre face à toi, et à essayer de grandir sur la compréhension de qui tu es, de ce que tu es capable d'apporter. Même si c'est douloureux, on ne grandit qu'en se mettant face à soi-même. Bertrand a rencontré lors d'un atelier Emmanuelle Jolivet, dirigeante de la société Emmanuel. Après quelques échanges, il leur a paru nécessaire de travailler ensemble pour mieux définir les aspirations professionnelles de Bertrand. À 45 ans, je ne peux pas me tromper. Je dois mettre en accord mon projet professionnel, qui je suis et mes rêves. Ma conviction sera renforcée et je vais faire la différence. Trouver ses talents innés, concilier ses projets de vie personnels et professionnels, voici tout le sens de la démarche de Bertrand. Il doit maintenant affiner son positionnement, sa démarche de communication et de mise en visibilité, se faire connaître et reconnaître. Nous venons de voir un reportage sur le parcours de Bertrand. Alors la première question va s'adresser à toi, Bertrand. Comment te sens-tu ? Beaucoup mieux. Quand je suis arrivé chez CV Street, je ne savais pas très bien quelle était ma voie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus clair dans ma tête. Il y a un objectif que tu sens un peu plus proche ? Oui, bien sûr. J'ai défini quel était mon projet de vie, quel est le type d'entreprise que je recherche et qu'est-ce que je veux faire à l'intérieur. Alors justement, on a fait appel à des invités, notamment Gabriel Desca. Vous êtes directeur général des services de l'UPO 13. Rappelons que c'est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 10 000 entreprises. Alors, quels sont justement les débouchés, puisque Bertrand cherche du travail en tant que directeur commercial et bras droit du TPE-PME. D'après vous, quel est le potentiel ? Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez indiqué, l'UPE 13 est un acteur majeur sur le département, donc au niveau des entreprises et principalement sur l'emploi. Donc Bertrand, je crois qu'il cherche aujourd'hui une direction commerciale, un emploi commercial. Bon, bien entendu, nous, avec l'ensemble de nos outils opérationnels, on accompagne les entreprises qui recherchent des collaborateurs et sur la fonction, bien entendu, commerciale, qui est une fonction capitale pour que les entreprises puissent se développer. On a pas mal de débouchés sur le département et sur la région PACA, que ce soit sur les domaines du numérique, mais aussi de l'immobilier, mais de la téléphonie, aussi sur le tourisme, puisque la région PACA, vous savez qu'elle a une forte attractivité en termes de tourisme. Donc en gros, Gabriel Desca, si je vous comprends, on cherche des commerciaux. On cherche des commerciaux, bien entendu, puisque les entreprises, pour vivre, elles ont besoin de grandir et de grossir. Je vais poser une question à toi, Emmanuel. Tu es directrice de la société Emmanel, qui fait de l'accompagnement pour les cadres et les dirigeants d'entreprise. Et on l'a vu dans le reportage, il y a une belle rencontre. Alors oui, effectivement, on a convenu avec Bertrand d'un coaching de carrière, donc qu'on peut appeler aussi personal branding. C'est un processus créatif et intuitif pour trouver sa place et prendre sa place professionnelle. Donc en fait, ça permet de se révéler, de l'incarner et de le communiquer.
En parallèle de ce parcours, en fait, Bertrand a fait la demande de travailler sur sa confiance en soi et également sur le fait de devenir acteur de sa vie et notamment de sa vie professionnelle. Voilà. Pour la durée du parcours, en fait, on a convenu d'un accompagnement sur 3 mois et 3 mois étaient largement suffisants puisque tu as participé à CV Street et tu as déjà bien engagé la démarche. Le processus a déjà démarré puisque Bertrand a participé à un atelier de 2 jours pour se révéler et faire émerger son projet professionnel. Et puis, on a démarré aussi quelques séances de coaching, ce qui lui a permis de... je dirais d'avancer fortement puisque aujourd'hui il a révélé son projet est devenu clair, attractif et ça c'est une vraie belle évolution par rapport au début, donc bravo, chapeau bas et on est en bonne voie. Si je peux me permettre, il y a un point quand même assez important, c'est que Bertrand en fait finançait lui-même cet accompagnement. C'est ça. Effectivement, Bertrand a financé cet accompagnement de lui-même, donc ce qui, en tout cas, lui permet d'être pleinement encore beaucoup plus impliqué et motivé. Et puis, il l'a financé lui-même parce qu'il en a financé un second, qui est sur un travail sur le leadership du dirigeant. Voilà. Donc l'implication, l'accompagnement, c'est très important. Olivier Boulle, donc tu es masseur kiné, tu es aussi conseiller santé auprès des entreprises. Alors finalement, le défi sportif et la recherche d'emploi, c'est pas le même challenge ? C'est le même challenge, c'est le même défi. Il faut s'y préparer mentalement, être prêt à accomplir, à mener ce défi à bien, parce qu'un challenge sportif va amener à réussir son challenge professionnel. Donc c'est important de s'entraîner, de s'entourer, hein, d'avoir avec l'équipe de CV Street un vrai coach mental, parce que le mental est capital. Donc c'est important pour réussir ce vrai challenge, Bertrand. Surtout qu'en tant que directeur, il va falloir manager, il va falloir diriger. Donc déjà, soi-même, arriver un petit peu à s'entraîner, et à prendre la main, à s'auto-évaluer. Donc ça, c'est important, c'est un vrai challenge. Il est important aussi d'intégrer la notion d'échec, parce qu'un sportif de haut niveau, avant de gagner, d'être champion du monde, eh bien, il a perdu plusieurs courses. Donc intégrer l'échec, c'est capital pour permettre d'avancer et puis de retenir de ces échecs, justement, eh bien, des notions pour réussir par la suite. C'est important. J'ai eu l'occasion, dans ma carrière professionnelle, de rencontrer de grands chefs d'entreprise, notamment un à qui j'ai posé la question, mais que faire pour réussir ? Que faire ? Quel est votre secret d'avoir mené aussi Alors, bien votre carrière ? Quel est le secret ? Alors le secret, c'est ce dont je viens de parler, c'est tout simplement, il me dit, Olivier, avant de réussir, j'ai connu 3 échecs. Voilà. Donc on avance, on agit, on sort la grande voile en pleine tempête, et c'est parti, on mène son challenge et on se donne les moyens d'y arriver. On est tous dans le même bateau. Exactement. Alors, juste avant d'enchaîner sur la suite de notre discussion, juste Bertrand, voilà, concrètement, t'en es où ? Avec les contacts positifs que tu as engagés avec les entreprises, et brièvement, si tu peux nous dire ça. Donc, maintenant que mon projet professionnel est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que je cherche un poste de directeur commercial dans une TPE-PME régionale, j'ai pu initier un certain nombre de contacts. Derrière le contact, ensuite, ça va être une histoire d'homme. Et aujourd'hui, j'ai un très bon contact avec une société régionale. On ne peut pas dire le nom à l'heure où on enregistre l'émission, bah, je précise. La surprise. On croise les doigts. C'est ça. Et je vais la re-rencontrer prochainement et je vais carrément lui proposer un plan d'action commercial pour augmenter de façon significative son chiffre d'affaires. Eh bien, merci. J'espère que tu nous tiendras au courant. On parlait donc de l'accompagnement. Une fois que celui-ci est mis en place, il y a la question de comment réussir un entretien d'embauche. On a demandé un conseil à notre expert. C'est la séquence Mythe de l'expert. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Malika, détachée de Pôle emploi à la Cité des métiers, de venir vous donner ses trucs et astuces pour réussir votre entretien d'embauche. La réussite de votre entretien d'embauche va passer par plusieurs points différents. Dans un premier temps, la ponctualité. Soyez toujours à l'heure du patron, c'est-à-dire 10 à 15 minutes avant l'entretien. Ça va passer également par votre look. Donc il faut toujours avoir le dress code qui correspond à l'entreprise pour laquelle vous postulez. Pas la peine d'avoir un costume 3 pièces lorsque vous postulez pour une boutique de sport. Ça va passer également par le fond et la forme.
On entend par le fond tout ce que vous avez déjà mis dans votre CV et qui a déjà convaincu le recruteur. Donc restez au plus près de ce que vous avez déjà proposé à l'entreprise et ça passe surtout par une préparation au niveau de votre expérience professionnelle et des compétences que vous souhaitez mettre en avant. La forme est tout aussi importante que le fond. Si vous indiquez au recruteur que vous êtes dynamique, ponctuel et motivé et que vous arrivez en retard et de tout avachi dans votre chaise, vous n'allez pas convaincre le recruteur. Surtout, ne jamais critiquer l'entreprise pour laquelle vous avez déjà travaillé. Pensez à remercier le recruteur à la fin de l'entretien. Posez des questions avant de partir, à savoir qui prendra l'initiative, par exemple, de recontacter l'autre à l'issue de l'entretien. Merci Malika. Retrouvez toutes les vidéos de la Minute de l'Expert sur le site qui s'inscrit sur votre écran. Et à très bientôt. De voici de retour sur Chasseurs d'emploi. On est avec Bertrand, on évoque la question de l'accompagnement. Emmanuel, pour les gens qui soient demandeurs d'emploi ou salariés, qui souhaiteraient suivre justement un accompagnement comme vous le proposez à Bertrand, attention, ce n'est pas concurrent du tout à Pôle emploi et l'APEC, concrètement, comment ils font? Ils vous contactent sur votre site, comment ça se passe? Alors effectivement, nous proposons aux demandeurs d'emploi et aux salariés des accompagnements carrière, des accompagnements image, communication, management, leadership. Vous pouvez aller sur mon site internet pour découvrir plus amplement ces programmes, www.emmanuel.com. Ces formations sont financées par la formation professionnelle et font l'objet aussi d'actions collectives d'entreprise. On parlait aussi avec toi, Olivier, de justement l'idée que pour combattre le stress professionnel, hein, qu'on soit salarié ou demandeur d'emploi, c'est toujours pareil hein, dans le monde du travail, finalement, est-ce que c'est l'activité physique, c'est important ? Tout à fait, Cyril, c'est l'activité physique. Le stress, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Donc comment pouvoir l'affronter ? Le bon stress, c'est celui qui nous permet de fuir, d'aller de l'avant. Le mauvais, c'est la frustration. Donc le corps humain est une machine extraordinaire. Il va falloir bien dormir, bien s'alimenter, bien bouger. Voilà le triptyque fondamental. À partir de là, vous allez tout simplement pouvoir apaiser et l'entraînement va vous amener à réguler le stress. Tout simplement physiologiquement grâce à certaines hormones, comme les endorphines, qui vont vous amener, donner la possibilité de vous sentir mieux, détendu, tout simplement. Donc il est très important d'avoir cette activité physique au quotidien pour vous aider à gérer le stress, tout simplement. Bien, c'est une bonne nouvelle, mais je crois Bertrand que tu pratiques déjà un sport, hein, le rugby, comme on l'a évoqué dans le reportage. Je suis du rugby et je cours tous les jours. Ça c'est très bien. Gabriel Desca, je voulais vous poser une question justement donc, sur le dispositif d'accompagnement et de prospection des offres, on dit souvent du marché non pourvu hein, de l'emploi. Je crois que l'UPE13 développe des dispositifs assez innovants, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, tout à fait. Alors, comme je vous le disais au préalable, donc l'emploi et la formation, c'est des axes prioritaires à l'UPE13. Donc, à ce titre, on a déployé pas mal d'actions sur le territoire. Tout d'abord, on fait pas mal de manifestations sur l'emploi. On est présent sur l'ensemble des forums du département. On a aussi développé un outil internet qui s'appelle laplacepro.com, voilà, qui est totalement ouvert, accessible par l'ensemble des entreprises et des demandeurs d'emploi. Vous déposez votre offre d'emploi, on accompagne le chef d'entreprise pour bien qualifier son offre et on va lui proposer effectivement des CV qui sont adaptés à son offre d'emploi. Voilà. C'est concurrent à Pôle emploi ? Pas du tout, puisqu'on travaille avec l'ensemble de ces acteurs. D'ailleurs, on a mis en place un dispositif sur Aubagne. Et d'ailleurs, le conseil départemental est intéressé pour qu'on déploie l'ensemble de ce dispositif sur l'ensemble du département. Et on a mis tous les acteurs de l'emploi autour de la table, que ce soit la mairie d'Aubagne, la communauté d'Aubagne du pays d'Aubagne. La communauté d'agglomération, pardon, du pays d'Aubagne. Voilà, la mission locale, la maison de l'emploi, nous, bien entendu, voilà, pour qu'on puisse bien faire matcher les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi. Avec nos amis de la Boussole, que nous saluons au passage. Voilà, sur le centre de la Boussole, bien entendu. Les entreprises qui recrutent, c'est notre séquence, les offres de la semaine avec notre partenaire Joblink. On se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue avec les offres de la semaine avec Joblink. Nous avons découvert tout d'abord les offres de notre agence de Marseille, puis d'Aix-en-Provence et la semaine dernière, nous étions à Aubagne. Cette semaine, nous retournons sur Marseille avec Aurélie qui va vous présenter ses offres. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le poste de cariste. Ce poste consiste à la réception de marchandises et à la préparation de commandes par le biais de la conduite d'engins motorisés.
Après une formation sur les normes de sécurité afférentes à votre poste de travail, vous intégrez la zone logistique d'une exploitation basée à Vitrolles pour un contrat de 4 mois. Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation ainsi que votre dynamisme. Venez rejoindre cette entreprise industrielle leader sur son marché pour l'ensemble du Grand Sud-Est de la France. Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet JobLink dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Je vous remercie et à bientôt. Nous arrivons maintenant à la fin de l'émission. J'aimerais qu'on te donne nos dernières recommandations pour Bertrand. Je vais commencer par toi, Emmanuel. Quelles sont tes recommandations ? Alors Bertrand, écoute, je te propose de continuer à persévérer, à t'accrocher comme tu le fais. Crois en cette réussite que tu mérites. Et aujourd'hui, tu as complètement les talents, la capacité, je dirais, la stratégie relationnelle, l'esprit d'entreprise, une forte capacité de négociation, d'ailleurs, que je trouve incroyable. Donc, si tu mets tout ça au service de ta réussite, ça va être très positif. Il y a un autre point aussi qui est essentiel dans ta réussite, c'est les rencontres réseau. Continue à les actionner, à développer les rendez-vous avec les entreprises comme tu l'as engagé et à t'investir aussi dans un réseau. Puis le dernier point qui pour moi est capital, c'est développer ce mental positif qui est le facteur clé de succès dans ta recherche d'emploi et dans la recherche de, je dirais, tout demandeur d'emploi, c'est essentiel. Vas-y, tu es prêt et je dirais go. Et ça va marcher et ça va aller beaucoup plus vite que tu ne le penses. Alors, Gabriel Desca, si je peux me permettre de me demander les recommandations. Et puis, une petite question supplémentaire pour les entreprises qui nous écoutent ou même les adhérents, finalement les entreprises adhérentes de l'UPE 13, qui voudraient un peu s'investir dans le champ sociétal, pourquoi pas avec nous en tant qu'association, mais dans l'innovation en général, essayer de créer de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a deux questions là. Alors, tout d'abord, comme conseil pour Bertrand, je pense qu'il faut qu'il fasse un maximum de réseaux. Il faut sortir, il faut participer à toutes les semaines métiers, toutes les semaines formation, aussi être présent dans l'ensemble des rendez-vous qui sont organisés par l'UPE 13, puisqu'on participe à beaucoup de forums emploi, qu'il utilise bien entendu l'ensemble des outils numériques, la Place Pro, mais aussi le site de l'APEC ou de Pôle emploi, bien entendu. Après, concernant les entreprises aussi, pareil, pour pouvoir trouver des collaborateurs, il faut qu'ils soient aussi présents sur l'ensemble des forums emploi que nous organisons ou co-organisons avec d'autres acteurs. Et je pense aussi qu'il faut mettre aujourd'hui en relation les écoles de formation et les entreprises, parce que les métiers de demain, il va falloir donc former les collaborateurs et on va commencer à les former aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, là, tout ce qui est transition numérique et autres, on réfléchit aujourd'hui à ces formations pour accompagner les entreprises et trouver donc les collaborateurs dont ils auront besoin pour grandir et pour accompagner leur croissance. On espère qu'en fait, finalement, tout le monde peut se rassembler. Alors, c'est ça, c'est… Complètement, c'est du coworking. Tout le monde travaille ensemble aujourd'hui, à la fois l'ensemble des acteurs publics de l'emploi, les acteurs privés de l'emploi, les entreprises et les écoles de formation. Donc, ça fait plaisir, finalement. Les entreprises sont dans ce combat. Dans le dispositif, voilà. Complètement. Voilà. Au cœur du combat. C'est un combat, un match, comme on disait, on faisait une comparaison avec tout le sport, fait. Avec Olivier. Mais c'est ça aussi. Et Olivier, peut-être, alors, on va s'orienter vers des recommandations, comme tu as le secret. Mon secret, je vais le donner à Bertrand, attention. En effet, penser, c'est bien. Tous les conseils qu'on vient de te donner, c'est extraordinaire de pouvoir justement approcher des personnes comme ça de ce milieu qui vont t'aider. Moi, je vais avoir un conseil vraiment pratique. Et je t'ai dit tout à l'heure, l'action, agir. Il va falloir que tu agisses, que tu prennes à bras le corps tout ça. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Des bonnes paires de baskets. Super. Qui vont te permettre de courir. Attention, il faut cacher la marque. Voilà, qui vont te permettre de courir. Regarde, d'un coup, j'avais mes talonnettes dedans. Voilà. Et je te les prête. Tu me les rendras bien usées. Hein. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Le passage à l'action, le concret. Alors, Bertrand, on a parlé de l'accompagnement avec toi. Hein. C'est un peu le débat. On va conclure. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que ça t'apporte, là, toute cette énergie dynamique autour de toi, là, comment tu le sens, là ? Eh bien, je ferai une comparaison avec le milieu sportif. Tous les sportifs professionnels ont un coach. Et qu'est-ce que leur apporte le coach ? Eh bien, c'est un miroir qui va les aider à voir ce qu'il faut améliorer, quels sont les objectifs à atteindre, comment les atteindre. Eh bien, c'est le travail que le fait le coach avec son sportif
pour gagner et être le plus efficient. Bien, l'accompagnement, c'est pareil pour un chasseur d'emploi. C'est un miroir qui va lui permettre d'aller creuser en profondeur quels sont ses désirs, qui va lui permettre de poser sur la table comment est-ce qu'il veut y arriver, qui va lui permettre d'initier le réseau, qui va lui faire sans doute remonter un besoin de formation. Ben, c'est ça l'accompagnement. Donc en fait, quand on est en recherche d'emploi, il y a deux solutions. Soit on est seul, soit on décide de se faire accompagner et il faut le vouloir. Ben, je crois que nous, on a décidé d'être ensemble en tout cas dans ce parcours. On se retrouve, Bertrand, à l'issue. Donc, il y a plusieurs choses avec toi. Alors, ce prochain rendez-vous que tu as avec un recruteur potentiel dans quelques jours, l'accompagnement avec Emmanuel, ta formation avec Pôle emploi. Mmh. Et quant à nous, j'en ai l'oreillette qui est tombée, j'en suis désolé. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure sur TV Sud, Provence, sur le canal 30. N'hésitez pas d'ici là à réagir sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. N'hésitez pas à participer à cette émission. On est tous ensemble, citoyens, pour lutter contre le chômage. À très bientôt.